Déclaration des députés. Le député de London Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Cette année, nous célébrons le 150e anniversaire de notre pays et donc la richesse de notre tissu culturel et de la flore de la faune contribue à l'importance de cet anniversaire. J'aimerais discuter d'un organisme qui fait de la promotion de la nature. Le Centre Southwood est une entité à but non lucratif qui a été créé en 2004 près de Mount Bridges dans ma circonscription de Lambton Kent Middlesex. Cette entité s'occupe des milliers d'animaux blessés qui sont ensuite retournés à la nature. Brian Salt et son équipe des bénévoles traitent toutes sortes d'animaux, des renards, des canards, des hiboux. Salt Haven fait de la sensibilisation des ontariens à la faune et à la flore locale afin de mieux comprendre le rôle joué par les écosystèmes. J'aimerais remercier South Haven, son équipe de bénévoles, de leurs efforts à l'échelle locale et pour avoir protégé la nature de la province durant cette semaine de la flore et de la faune. Je vous demande d'aller en plein air et d'apprécier la nature en Ontario. La députée de Windsor-West, la semaine dernière, j'ai pu assister à l'ouverture d'un événement visant à marquer la contribution des Canadiens d'origine polonaise. Des associations polonaises de cette région collaborent afin de contribuer à un événement visant à marquer le 150e anniversaire du pays. Mon mari a des racines polonaises. J'ai beaucoup appris des contributions faites par des Canadiens d'origine polonaise. À Windsor, il y avait un centre de recrutement durant la Seconde Guerre mondiale. L'un des premiers députés canadiens était d'origine polonaise, Alexander Kutowski. Certains députés peut-être se rappellent d'un événement visant à rendre hommage à cet homme. Il y avait des prix décernés concernant trois catégories. Par exemple, des prix visant à reconnaître les rôles joués par des Canadiens d'origine polonaise. Je voudrais remercier les entités qui ont participé à cet événement et l'Université de Windsor. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette exposition, il n'est pas trop tard. Vous avez toujours l'occasion d'assister à l'exposition. Député de Beaches East York, merci. À tous les jours, lorsque je monte l'escalier ici à Queen's Park, je salue la gravure d'Agnes McFair. La Banque du Canada a dévoilé une nouveau billet de banque sur lequel figure la figure de James Gladstone, Johnny MacDonald et bien entendu la première députée Agnes McFair. Elle était la seule femme à être élue en 1924 et on l'a qualifiée de la femme la plus importante sur le plan politique en 1943. Elle est retournée à la politique et elle a remporté la victoire dans une élection pour la circonscription de York-Est. Depuis 1993, il y a une cérémonie de remise de médailles qui rend hommage à Agnes McFair. Ce prix reconnaît une personne de la circonscription qui contribue à l'échelle locale. Patrick Rocco était le récipiendaire du prix cette année. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la création de ce billet de banque. Je remercie les bénévoles reliés à cette cérémonie de remise de médailles. Député de Frontenac-Lennox-Addington,
La semaine dernière, j'ai déposé une motion visant à ajouter des articles à la Charte des libertés et des droits. Ces motions lisent comme suit. L'article suivant stipule qu'en Ontario, tout le monde a le droit de ne pas se faire priver de sa propriété en raison des mesures législatives à l'Assemblée législative. Et toute personne devrait pouvoir accéder à des terrains immobiliers. Cet article discute des mesures législatives adoptées préalablement à l'entrée en vigueur de cet article. Cet amendement modifiera la Constitution et donc prévoit aucune expropriation sans indemnisation. Merci. Déclaration des députés, la députée de Nicobart. Merci, Monsieur le Président. La politique du ministère des Transports concernant les panneaux de route est une pratique discriminative. Avant l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 69, les conducteurs passaient par un panneau de route et même visiter les hôtels de la ville. Mais étant donné que l'élargissement a eu lieu, le nouveau panneau ne porte pas le nom Alba, qui est à une distance de 3 km. Et donc, pour les chauffeurs, ça donne l'impression que c'est une distance de 30 km. Mais ce n'est pas le cas. RDH Mining m'a écrit une lettre et m'a dit que c'était très difficile d'accéder à la clientèle, mais maintenant, notre ville ne figure pas sur ce panneau, donc c'est un défi encore plus important. À l'heure actuelle, plusieurs secteurs de l'économie n'ont aucun client en raison de la politique en matière de panneaux faite à Toronto. Les entreprises, les gens et les conducteurs de cette région à la recherche d'Alba méritent un panneau qui répond à leurs besoins. C'est une préoccupation très simple. Déclaration des députés, le député d'Eglinton Lawrence. Merci. Je voudrais parler d'une excellente école de ma circonscription, l'école John Palani, située à l'intersection de Lawrence et Island. Elle portait le nom Bathurst Heights et a été fermée durant l'époque Mike Harris. Elle a été rouverte et porte le nom d'une physicienne de l'Université de Toronto. L'école a 1000 élèves et a toutes sortes d'excellents programmes. Le directeur a gagné le prix pour directeur d'école, Amen Prix. Il a créé un partenariat avec l'école d'affaires Rotman. Et donc, il y a des cours à cet effet disponibles aux élèves. Il y a aussi un programme en matière de robotique, et c'est le seul programme disponible au sein du conseil scolaire. Il y a aussi eu une conférence portant sur les cellules souches. C'est une excellente école sur le plan athlétique et une excellente équipe de basketball. Donc, c'est un joyau de notre collectivité. Il y a des élèves qui viennent de partout à l'échelle du Grand Toronto pour assister à cette école. Félicitations aux enseignants, aux familles et aux élèves de cette école. Député de Perth Wellington, merci. Plus tôt ce mois, le Club de Lyon d'Elworth a marqué son 60e anniversaire. J'ai pu assister aux célébrations le 1er avril. Et le président de 1957, Derek Nin, y a assisté aussi. Ce club fait partie du Club Lyon International, un club philanthropique ayant plus d'1 million de membres. Le fondateur, Melvin Jones,
voulait redonner à sa collectivité. Et donc sa devise personnelle, favoriser l'idée de rendre service aux autres. La devise, c'est « nous servons ». Et donc ce club fait toute la différence en offrant des services aux enfants en difficulté et aussi être en partenariat avec l'Habitat pour l'Humanité. C'est un joyau de la collectivité et ce club en fait exploite un patinoire. Il y a une fête foraine tenue par cette entité et même un défilé. Le club Lyon, comme d'autres clubs philanthropiques à l'échelle de la province, renforce nos collectivités. En tant que membre de ce club, je peux vous dire que cette entité fait toute la différence. Félicitations à ce club et je leur donne mes meilleures salutations. Député d'Ottawa-Sud, merci. Dimanche, j'ai eu l'honneur d'assister au mémorial portant sur la bataille de la crête de Vimy. C'était une cérémonie tout à fait touchante. Il y avait de la musique, même une chorale. Et en parlant de cette bataille, on parle de la naissance d'un pays et du fait que nous sommes devenus signataires du traité de Versailles. Mais c'est une question de sacrifice. Et donc, nous rendrons hommage à ce sacrifice. Il y a eu grand nombre de batailles depuis cette époque. Et donc, beaucoup de familles ont fait le sacrifice ultime. Donc, nous passons au 101e anniversaire. Et donc, il faut se rappeler de leur sacrifice. À la fin de la cérémonie, il y avait des colombes libérées. Et au même moment, il y avait des bernaches du Canada. Et donc, c'était un moment tout à fait excellent. Député de Haldeman-Norfolk. J'aimerais féliciter Rob Johnson et les officiers du navire de Sa Majesté York. C'est la division de la réserve de la marine la plus importante du pays. Il y avait des exercices qui ont eu lieu et ces exercices comprenaient la participation de plusieurs navires, y compris le York et le Star. Le Bureau de gestion d'urgence de Toronto a participé à l'exercice et grand nombre d'autres entités y ont participé. Ce genre de formation permet aux membres des forces armées de pouvoir appuyer les organismes provinciaux et locaux. Un grand merci aux organisateurs du York, M. Melanzer, M. Saki, M. Walia, le lieutenant Avaya et Paul Hahn m'a donné ses renseignements. À tous qui ont participé, félicitations. Merci. Rapport des comités.